Hello tout le monde, on est reparti pour une nouvelle aventure. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes bien reposés. C'est la reprise, c'est la rentrée. Donc là, on est sur le chemin. On arrive au spot, tranquille. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Allez. Tranquille, au bord de l'eau, très bon spot du Tonton Seb, comme d'habitude, au bord de la Durance. On connaît plein de coins, franchement c'est cool. Donc ce soir hamac, je pense pas que je vais mettre une tarte, mais il y a du vent quand même, on va voir. Et voilà, paisible, tranquille. Ça c'est sympa, je sais pas c'est quoi, il y en a un peu partout. C'est joli. Okay, on s'est installé, le passable il est là, moi je suis au fond, puis le coin est paradisiaque comme d'habitude. Il y a Nico, le frère à Tonton. Hop là, ça y est, j'ai mis le hamac. Je vais peut-être retendre là. Je vais voir. Good. Donc ça y est, on est installé. Je vous montre un peu. Là, il y a la tente de Tonton. Là, il y a son frère. Et là, il y a mon camp. Donc voilà, la rentrée, septembre. J'ai été absent pendant bien 2 mois. J'ai eu quelques changements dans la vie privée. Donc voilà, j'avais pas trop le temps. Puis c'était les vacances avec les problèmes de feu, tout ça. À partir de maintenant, là, ça va être un peu plus régulier. Monter sur l'arbre là. Il y a beaucoup de bois mort. On a fait une petite chaise à Mac. Puis on a la Durance qui passe. Notre belle Durance. On a envoyé les cannes à pêche. On espère que ça va mordre. Je suis à un Mac ce soir. Je vous ai déjà montré tout à l'heure. J'ai mis la moustiquaire parce que je me suis déjà fait piquer là. Ça fait 2 heures qu'on est là. Ouais. Là on a le coin du feu, le bois qui est prêt, juste le bois pour de quoi cuisiner. Puis après on va faire ça doucement, prudemment, tranquillement. Voilà, on passe du bon temps tranquille. Allez, à plus tard. Donc on a monté le camp, donc avec Nico on a fait un petit banc avec 4 Y et un tronc d'arbre mort. La pêche ça pique pas trop, il fait quand même 30 degrés, la tente à Tonton Seb, toujours ses coins cachés de la Durance, là, c'est vraiment super. Et là on a les deux cannes. On a une canne au bouchon et une canne au plomb.
On va voir ce que ça donne. Sinon, magnifique, vous pouvez voir le coin, il est comme d'habitude, il est superbe. Waddles. Tranquille, ça faisait un moment, ça me manquait grave. Alors on avait un cygne. S'envoler, je crois qu'il est là. Ah, il y avait une grenouille. Là, on a commencé le rond de feu. On va continuer. Donc là, on va chercher la canne de Provence, du petit bambou, pour faire une grille, parce qu'on n'a pas de grille. Et sinon, on fera des pics. Mais bon, on préférerait faire une grille pour manger ce soir. T'es resté combien de temps ici? Ici, à ce coin particulier, je suis resté 8 mois. C'est une de mes maisons. Sinon, sur les coins de la Durance? Je suis resté 2 ans, 700 nuits et 700 jours. Et t'en as combien encore des coins superbes comme ça? Des maisons, j'en ai une dizaine. Ah, tu les appelles les maisons? Ouais, c'est des maisons. Franchement, les 3 maisons que tu m'as montrées, elles sont superbes. Ça va. Donc j'ai hâte de voir les autres. 8 mois ici, en hiver. Il faisait combien en hiver? En hiver ici, ça, une fois le chef de la police il est venu, il m'a dit chez lui, sur sa terrasse, il faisait moins 21. Et il voulait m'enlever d'ici. Et toi t'as pas voulu? Je lui ai dit qu'il reparte chez lui. Mais ouais. Ça va, t'avais des couvertures et tout? La tente ici là, j'avais 8 couvertures. Ici j'avais 7-8 couvertures. Ouais, moins 21. Chaque fois que j'allais en ville à la Croix-Rouge, je prenais. Tu pêchais? Ouais, je pêchais des perches tous les soirs. Avec des petits gardons. Il y avait à manger quoi. Ouais. Tranquille. Ouais. Par contre la route jusqu'à la première ville c'est combien? Pour aller faire les courses, quand tu as besoin de tabac, faut aller d'Ampertuis. C'est à 10 km. 10 km. Ouais. Donc quand tu vas, tu prends bien ton tabac. Ouais, 20 km aller-retour. Ouais. Et quand c'était la canicule, que c'était l'été, qu'ils avaient besoin d'eau, j'y allais la nuit. Ah ouais. La nuit, j'ai marché pour moins transpirer. Ah, tu m'étonnes, il fait chaud et tout. Ici, une fois, je suis resté 14 jours sans manger, sans tabac, ici. Et mon père, un jour, il est arrivé, là, en 4x4. Il est arrivé ici, là. Du coup, il est arrivé là, avec son gros 4x4. On a fait le feu ici. Et il avait acheté plein de viande et tout. Truc de malade. Genre un régal. Ah, t'avais rattrapé les... Ah, il fallait que je mange petit. Les 14 jours. J'ai pas pu manger tout d'un coup. Tout l'après-midi, j'ai mangé... Ah ouais, ton estomac, il devait être rétréci. Mais c'était un bon souvenir, hein. C'est un bon souvenir. Mais bon, t'as fui la ville quand même. T'aimes pas la ville. Non, mais quand j'ai vu comment les SDF, ils se traitaient entre eux, quoi. Ils se volaient et tout, ils se tapaient et tout. T'as dit tu vas... Je me suis dégoûté, je me suis barré, j'ai dit ici, au moins, je serai tranquille. Ah ouais. La nature. Et voilà. Paisible. Ouais. J'ai resté un coin, puis après, c'était l'overdose quand tu restes. Imagine ici, je suis resté assis pendant... 8 mois. 8 mois. Tous les jours, le même soleil, après tu bouges un peu, mais c'est ça qui est bien, c'est que voilà, tu peux bouger. Tu vois. T'as pas besoin d'aller payer un loyer ou changer d'appartement. Voilà, mais de toute façon, tous les gitans, ils me connaissaient, tout le monde me connaissait. Je laissais ma tante là. Et tu revenais, elle était toujours là. Je revenais, il manquait rien. Ben, ça c'est bien. Elle a jamais rien manqué. Ah, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. On a de très belles ronces pour ceux qui font de la vannerie, ceux qui font des paniers, c'est super. Donc cette année ça va être un nouveau projet, me faire un petit panier. J'en ai jamais fait, bon je regarde beaucoup de vidéos, il y a Agnès, il y a Vannerie Sauvage,
Il y en a beaucoup, des petites herbes sur Facebook. On va aller voir si ça a mordu. Parce que ce serait bien d'avoir un petit poisson ce soir. La soirée a commencé. Sinon, les cannes à pêche sont toujours là. Puis on va voir si ça mord. Pour l'instant, nada. On peut voir le bouchon qui s'agite. Je pense que c'est le courant de l'eau qui le fait bouger. Sinon, le plomb, il n'y a rien. Donc on va voir ça de plus près. Donc là, Tonton, il va me dire qu'il y a un petit passage. Et on peut voir que c'est un petit passage de gibier. On voit que tout est couché là. Donc peut-être qu'on est sur une. On n'est pas loin d'un trou de gibier qui vient le soir. On voit que c'est bien cassé, on voit la branche là. Donc on va pas s'aventurer parce que ça sert à rien, mais. C'est sympa là. On va peut-être voir des animaux. Regarde, on voit les dents sur le bois. Ouais, ça. Ah ouais, on voit les dents, ouais, c'est peut-être des castors, ouais. Ou des ragondins. Je fais une petite modif sur le tarp. En fait, j'ai mis un petit bâton, là. Comme ça, le matin, j'aurai cette vue-là. Bon, j'aurai la tente tout le temps, mais j'aurai quand même le lac derrière. Ce sera cool. J'étais vraiment fermé, ça ne plaisait pas. La mac, et le camp, tranquille. Donc ça y est, on a envoyé un petit feu, juste pour cuisiner, il n'y a pas de vent. Parti voir les cannes à pêche, on les a pas oubliés. Le soleil s'est bien couché, c'est magnifique. C'est un coin vraiment. On entend des petits bruits, je pense que c'est les grenouilles. Enfin, j'espère que c'est pas un serpent quoi. Puis franchement, je vois toujours mon bouchon, donc je serai pas pêcheur dans la vie. Je pense que. Faut que je change de voie. Ça fait deux fois, trois fois, jamais 203 comme on dit. On verra.
J'ai relancé les lignes. Donc on va faire beaucoup de braise. Comme ça on va être tranquille. Le feu est bien parti. Cool. J'ai mis un moustiquaire parce que je me suis fait piquer 3 fois. Mais ça s'annonce sympa. On a fait un bon petit paquet de braise. On va bientôt passer à table. Il y a un petit vent quand même. J'ai ma lampe USB là. Ça suffit largement pour soi-même, mais pour les petites vidéos, tout ça, c'est un peu faible. Au milieu de la nature, le silence. Bon, il n'y a pas trop d'oiseaux. Ça y est, c'est parti. Des petits pignons de poulet cuits sur du bambou, enfin sur des cannes de Provence, c'est pareil. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça donne faim. Petit barbecue. C'est l'heure de manger. Au bout d'un moment, les bambous ils ont lâché. Donc on a fini la cuisson à la poêle. On va vérifier les cannes à pêche. Tranquillement. Les 17 degrés, ça se rafraîchit. Près du feu, il fait bon. C'est bon, on va aller se coucher. On va aller voir un peu la rivière. Good morning. On entend des coups de feu. Très bien dormi. Et on va aller faire le café. Il a bien fait froid cette nuit, hein. 9 degrés. L'eau est calme. Il n'y a pas de courant du tout. Par contre, il y a des chasseurs, on entend chasser. Donc sinon, super. On a passé une super soirée. On a bien rigolé. Puis tranquille, quoi. Le spot, il est magnifique. Je suis mal réveillé, désolé. Hein. Donc sinon, c'était au top.
Chauffe 9 degrés quand même, ça n'a pas fait chaud. Ça tire de tous les côtés. J'espère que ça va pas tirer chez sur nous. On a pas de truc orange, mais bon, ça va, on est moyen. Je vais vous montrer un peu la petite rivière. Hier il y avait du courant, là il n'y a pas du tout de courant. Petit soleil qui fait plaisir. Et voilà, c'est magnifique. Il y en a qui aiment le luxe, les belles voitures, les belles maisons. Il y en a qui aiment la nature. C'est qui le plus riche à votre avis? Hein? Moi je pense que je suis très très riche. Juste avec cette vue là, ça doit peser 1 million, 2 millions. Il s'envole le canard. J'attends mon collègue le cygne. Hier il était là. Peut-être qu'il va nous dire bonjour. On va voir. Tonton Seb il dort toujours. On va pas le réveiller, on va le laisser dormir. Chacun son temps de sommeil, hein. Puis voilà, paisible. Tranquillement. Thank you.
bien remonté, 15 degrés. On va aller voir la canne à pêche si ça va piter. Ça y est, on a remballé, on a rangé, tonton aussi. On boit un petit coup, c'est l'heure de l'apéro, il est 11h, comme d'habitude. Tonton, bien dormi? La meilleure nuit de ma vie. Tant mieux, moi aussi. Si je pouvais rester là, ce serait cool. Petite rivière, un beau soleil. Plein de grenouilles. J'espère que mon pote le cygne va passer pour me dire au revoir. Un beau cygne, il part de là, il décolle. Je pêche au bouchon, j'ai changé parce que le plan, il y avait plein d'algues au fond. Donc on va voir si au bouchon ça marche. Je sais pas si vous le voyez, il est vers là. Plus tranquille. Comme d'hab quoi. Mois de septembre chargé. Et on commence fort. On va se faire une petite balade. Mon acolyte est en train de ranger. On a bu le petit café. Putain, ça fait du bien. Ça m'a manqué. Loin de la ville, loin du bruit. Et là, ils ont coupé à l'arrache. Ça doit être une route de quad, à mon avis, pour les quads. On va suivre la route. Alors, je sais pas, ça c'est quoi? Un truc à baignoire, là. C'est du poison. On va aller voir s'il n'y a pas un autre spot. En tout cas, c'est super ici. Attention, il y a des chasseurs, ça tire. Ah. Du caca de cheval. Super. Bon, il y a beaucoup d'hélicoptères. Mais sinon, le top. Chemin, se balader dans les bois. Peut-être qu'on va voir un petit animal, un petit sanglier. Ça serait cool ça. Petit sanglier. Passer par là. C'est quand même. Hop. Fait beau. On est vraiment au milieu des bois. On voit qu'il y a des chevaux qui sont passés. Il y a des traces des chevaux.
C'est sec, hein. C'est la sécheresse. Normalement, l'eau, elle monte là, quand il y a les haches d'eau. Elle monte jusque là. C'est sympa, le petit coin. Hein? C'est sympa. Des grands arbres. Je crois que c'est des saules ou de lettres, je sais pas. Je suis pas spécialiste des arbres. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui doit passer par là parce qu'il y a des toiles d'araignées partout. Donc à mon avis. On récupère le chemin. Voilà. Hey. Franchement, super bivouac. Et je viens de trouver un autre coin. Qui est magnifique. On entend la cascade là-bas. C'est magnifique. Rien à dire. Bon ben on va remballer. Parce qu'on a bien 10 bornes à faire. À l'aller, il y a le frère Assem qui nous a amené. Merci Nico au passage. Franchement, c'était sympa. Mais au retour, on est à pied. Bon, les sacs sont moins lourds. Moi, je crois que je suis à 13 kg. Avec l'eau, donc sans l'eau, je vais être à 11 kg. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc ça va être léger. Plus léger que d'habitude. Lui, il s'est fait manger par un parasite. Il a des trous partout. Encore cet arbre à baie noire là. Je crois que c'est du poison ça. Pas manger. Ah, il y a du bois là. Ils ont coupé du bois. Chemin. En tout cas, ça m'a fait grave du bien. Ça faisait longtemps, ça faisait au moins 2 mois que j'étais pas sorti. Donc, ça m'avait manqué. Comme une drogue, une fois qu'on y goûte, on peut plus s'en passer. Moi, cette année, on va faire un peu de vannerie. Donc, on va essayer d'apprendre les plantes. Comme cette ronce là, je vais vous montrer. Elle est pas belle cette ronce. C'est tout le long. Elle est magnifique. Ça fait on peut faire une corde aussi si on tresse les ronces ensemble. Ça fait une corde assez résistante. On peut voir, je sais pas si vous voyez, moi je la vois, il y a une toile d'araignée, donc il n'y a personne qui est passé là depuis un moment. On va essayer de passer en dessous. Waddles comme on dit. En motocross, ils doivent s'amuser les types. Il y a de quoi faire en moto, même en quad. Moi je sais pas si c'est par là, j'espère que c'est par là. Hein. Normalement c'est par là. Oui, je vous reprends plus tard. Peut-être qu'on va manger là, on ne sait pas encore, on va voir.
Sinon, on part direct. Allez, à tout à l'heure. C'est là où j'avais mis le hamac. Et en fait, je ne vous ai pas montré hier. Il y a une belle fourmilière. Une belle maison. Impressionnant. Elle fait tout le tour. Elle est énorme. Magnifique. Donc c'est cette plante, cet arbre qui fait les baignoires là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je sais pas c'est quoi. Donc comme d'habitude, si quelqu'un connaît, qui laisse un petit com, avec plaisir je répondrai. On a nettoyé le feu. On est sur le départ. On va jeter le maïs qui reste. On va les donner aux poissons. On va pas tarder à décoller. Au revoir, petite rivière. J'espère qu'on se reverra bientôt. C'était super. Merci de ton accueil. La poubelle à prendre aussi et puis on est bon. On va donner à manger aux poissons. Au revoir petite rivière. On n'a pas vu mon pote le cygne, dommage, on le reverra une autre fois. On est sur la route. Tranquille. On y va doucement. Il fait chaud, il n'y a pas de vent. Sur le chemin, on avait un autre coin. A l'air très très sympa. Oh là, il y a du bois, des belles bûches là. Il y a un rond de feu avec un pantalon, bizarrement. Donc c'est un coin qui est squatté déjà, mais ça doit être un bon spot de pêche. En tout cas, c'est magnifique. Il y a 5 mètres de fond, gros. On a pris un tout petit chemin pierré qui date de l'époque, je pense. Hein, tonton ? De l'époque romaine, je crois. Donc c'est assez sympa, c'est cool. Puis on avance tranquille. Caca de poney. Bien frais, il est bien frais celui-là. Hein. Des petites mûres. Magnifique. Délicieuse. Toujours les prendre, les cueillir en hauteur. Sinon les animaux ils pissent dessus, c'est pas très bon. On entend les paysans. Bon, Tonton Seb il a avancé. Donc on avance. Alors là, on est toujours sur le petit chemin. Magnifique. On entend les paysans travailler. En train de lâcher leurs pesticides sur nos pommes de terre.
sécheresse. Sauter, sauterelle. Je viens de trouver des chicots. Ouh. On est dans le désert. Il n'y a rien qui pousse. Chico, qui veut une chico? Je les donne gratuitement. C'est des bonnes chico. Du fenouil. Ça sent le citron un peu. Ouais. Magnifique pied. Au milieu du champ. Ça sent bon. Hein. Faire attention à... Parce qu'il y a une plante qui ressemble beaucoup, qui est mortelle. En même temps, il avance celui. Ah, un peu de verdure. Après la sécheresse. Ça fait plaisir. Et on avance. Propriété privée, chasse interdite. On a récupéré une petite route qui devrait nous mener à Pertuis ou à Ville-l'Or, on ne sait pas encore, dans le coin. On a un petit canal EDF, mais bon, je pense pas que... Je crois même le mini sauveur, il se désintègre avec cette eau. Sympa la petite baraque là, entourée d'un arbre. C'est des ruines, il laisse en ruine. Et j'aurais ça, je serais content. On est toujours sur la route. Sur la route de Pertuis. La loi de la nature. Ils sont en train de le bouffer. On dirait du sureau. Ça fait attention quand on randonne dans les petits villages, tout ça. Des fois, les portes là sont ouvertes parce qu'il y en a, ils pensent que personne va passer. Il y a personne qui va passer, et en fait, si. On a pris une vieille voie SNCF. Ça fait comme dans les films un peu. J'espère qu'il n'y a pas de train. Tu vois qu'il y a des trains, hein, Seb? Non. C'est abandonné? Ouais. Mais au moins on est tranquille, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. C'est cool. Bon, le bivouac terminé, on rentre à la gare. Donc je vous dis merci d'avoir visionné. C'est bien passé? Ouais, super, c'était sympa. Cool. Ouais. Et bon, à très vite alors. Ciao.